Eh bien bonjour à tout le monde, vidéo avec un petit format un peu spécial aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai changé de moto, et donc du coup qui dit nouvelle moto dit rodage, et tout simplement je vous emmène avec moi faire une petite partie de rodage. Et pour l'occasion, je me suis dit que j'allais respecter les recommandations du concessionnaire, donc à savoir Golden Bikes, avec qui j'ai eu l'occasion donc de faire affaire ici pour l'achat de ce Suzuki V-Strom 1050. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'œil chez Golden Bikes, ils sont super sympas, super accueillants. Donc si vous passez par là, ou même si vous passez pas par là d'ailleurs, c'est l'occasion d'aller leur faire un petit coucou et d'aller voir ce qu'ils ont comme, comme équipement, comme moto, comme conseil, etc. etc. Aujourd'hui, un petit peu particulier, on va faire de l'urbain, comme ça on est sûr qu'on va pas être tenté de tracer. Et qui dit urbain dit, en ce qui me concerne fatalement, aller faire un petit tour dans Charleroi. Vous avez vu dans le titre, dans la miniature, un safari tour. Parce que Charleroi, il n'y a pas de secret, hein, c'est une ville qui est en totale reconstruction. Il y a des travaux partout, donc vous allez voir, il y a des friches industrielles, c'est assez particulier. On avait déjà fait une vidéo sur le bois du Casier, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo sur un point particulier de l'histoire de Charleroi. Ici, on va carrément dans le centre-ville. Et c'est une petite visite touristique, hein. Je vais vous présenter 2-3 endroits, mais on ne s'arrêtera pas, hein. C'est juste le temps de faire un petit tour dans le centre-ville. Et puis on terminera par des quartiers un petit peu plus sympas, avec de belles maisons, parce qu'il y a aussi des jolis coins à Charleroi. Allez, on est parti, go dans le centre-ville de Charleroi, à tantôt. Voilà, on arrive aux portes de la ville, qui est en fait une des plus jeunes villes de Belgique, hein. Charleroi, c'est la deuxième plus jeune ville de Belgique. Elle a été fondée en 1666, donc 17e siècle. La plus jeune ville, hein, c'est Louvain-la-Neuve. Et Charleroi, c'est une ville qui est constituée principalement en deux parties, une ville basse. Donc ici, on rentre, hein, par la ville basse, et on est en train de passer ici sur la Sambre, qui est le cours d'eau qui passe et qui va se jeter dans la Meuse à Namur. Et puis ensuite, on a la ville haute. On va parcourir tout ça, évidemment. Ici, on est donc à proximité du boulevard Thiron. On va passer ici aussi. C'est une partie de la ville qui a été plus ou moins rénovée. Alors, c'est pas totalement fini. Mais voilà, les premiers grands chantiers de la ville, c'était en ce qui concerne la ville basse. Et vous voyez que il y a un petit dénivelé assez sympa qui nous amène donc vers le haut de la ville. Donc on va se diriger vers le stade, mais il y a quelques petits éléments intéressants à voir. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas grand monde, c'est parce qu'en fait c'est jour férié aujourd'hui. Donc voilà, c'est assez calme. Petit rond-point tranquille, tu te calmes, c'est bon, ça passe sur la gauche. Nous avons le parc, et alors par le passé, il y avait un Lucky Luke. Ici, vous voyez une station de métro. Lucky Luke a disparu, je vais revenir juste après, hein, pourquoi le Lucky Luke. Et donc, station de métro, parce que Charleroi est une des trois villes belges qui possède un métro un peu particulier d'ailleurs. C'est un métro-tram. On a ici à gauche le palais de justice et à droite la caserne Trésigny, qui date du 19e siècle. Et Trésigny, c'est le caporal, c'est un caporal en fait de la Première Guerre mondiale, héros de la Première Guerre mondiale. La bataille de Charleroi, d'ailleurs j'en ai déjà parlé aussi en août 14, c'est une bataille terrible pour l'armée française. La tour de police. Et on se dirige vers le stade du pays de Charleroi, donc qui est que l'on appelle plus communément le Mambourg. Donc c'est le stade de l'équipe de foot, d'abord la principale équipe de foot, hein. il y en a deux en fait dans Charleroi. Il y a le Sporting ici, ce stade va disparaître puisqu'il y a un nouveau stade qui sera construit un peu plus tard. Donc c'est un club historique, hein, Charleroi, même s'il n'a jamais rien gagné. C'est assez marrant, sauf quand on est supporter, évidemment c'est pas très marrant. Et le deuxième club, c'est l'Olympique, hein, qui lui par contre est un petit peu plus bas dans la hiérarchie nationale. Alors pourquoi Lucky Luke? Charleroi en fait, vous avez vu, on a passé Boulayville, ici on arrive au Marsupilami. Mais Charleroi en fait, c'est une capitale mondiale de la bande dessinée, avec notamment les éditions Dupuis, qui se situent à Marcinelle.
Mais là, on va avancer vers un autre lieu sportif, puisque Charleroi, c'est une ville sportive. On va se diriger vers le Dôme, Charleroi Nord, et le Dôme qui accueille les Spirous de Charleroi. Allez, on va vers le basket. Alors, ben, si le Sporting de Charleroi et l'Olympique de Charleroi n'ont jamais rien gagné, tous les deux, malgré leurs nombreuses années en Division 1 nationale de football, c'est pas le cas des Spirous de Charleroi, qui, eux, c'est, je pense, il faudrait vérifier, mais je pense que c'est le deuxième club le plus titré de Belgique derrière Ostende. Donc c'est un club historique, hein, même si il est assez jeune en fait. Hein, mais il y a eu pas mal de titres essentiellement fin des années 90, début 2000. Encore maintenant, hein, c'est un peu moins bien, mais ils jouent toujours le top. Et leur salle, leur terrain de jeu, c'est donc le dôme que l'on appelait avant le Spirou Dôme. Et encore avant la coupole. Ouais, la coupole, c'était la salle qui était juste avant, et puis ils ont tout refait. Le dôme, c'est en fait une salle de 6300, 6500 places, je pense. Voilà, on est juste ici à côté. Donc c'est l'antre des Spirous, mais il y a aussi des concerts, des spectacles qui se font ici au dôme. Enfin, moi j'appelle toujours ça le Spirou Dôme. Il y a la Villette aussi, qui était l'ancien club de ping-pong, de tennis de table, qui jouait ici les matchs de Ligue des Champions. La grande époque de Jean-Michel Sèvres. Donc la Villette, qui était un des meilleurs clubs européens d'ailleurs de tennis de table. On va faire un petit tour pour se poser tranquille, on va essayer d'aller faire une petite photo. Et on a Action 21 aussi, qui était l'ancien club de mini-foot, qui a également gagné la Ligue des Champions, qui a joué de temps en temps ici. Voilà, c'est très bien, parfait. On va se mettre pour faire une petite photo qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion de nous suivre sur Insta et Facebook. Voilà. Vous voyez, leur vêtement est assez pourri, hein. Il y a tout qui est à refaire ici. Mais les suspensions du Vestrom, franchement, je suis assez étonné parce que je sens pas trop les imperfections de la route. Donc c'est plutôt tant mieux. On dirige ici vers la place Charles II, que l'on appelle plus communément ici la place des Jets d'eau, même si ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de Jets d'eau. Il y avait en fait au tout début des super fontaines, c'était assez joli. Tout est en super travaux et vous voyez au loin le beffroi de Charleroi. Alors ben, c'est une place qui est importante puisqu'en fait c'est d'ici que tout a démarré. Place Charles II, pourquoi ? Ben, Charleroi, vous voyez un peu le lien. Charles II en fait était roi d'Espagne au XVIIe siècle et Charleroi c'était une forteresse. Donc c'était une place forte. C'était ici, hein, sur la place, il y avait la place forte de Charles II qui était roi d'Espagne et roi des Pays-Bas. L'hôtel de ville ici avec son beffroi qui n'est évidemment pas médiéval. Il a été construit peu avant 1940 je pense. 70 mètres de haut, il est visitable mais il me semble pas tout de suite. Et donc, bah vous comprenez qu'on est ici dans la ville haute, hein, donc la forteresse fatalement c'est sur les hauteurs. On se retrouve là sur la place du manège, avec notamment, bah, on a vu passer le palais des Beaux-Arts de Charleroi, et vous voyez, hein, clairement tous les travaux, c'est une ville en reconstruction. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu malin, je vous invite à investir, si vous devez acheter une maison ou des biens immobiliers, achetez à Charleroi parce que c'est pas cher pour le moment, mais à mon avis d'ici 10, 15, peut-être 20 ans, le prix de l'immobilier va certainement augmenter puisque ben, la ville sera totalement refaite. Il y aura la piste de l'aéroport aussi, on va passer tout à l'heure, on va aller jusque là, la piste de l'aéroport de Gosselies qui sera agrandie, on va pouvoir accueillir des longs courriers. Là pour le moment l'aéroport c'est le premier aéroport secondaire d'Europe. Mais lorsqu'on va pouvoir avoir une piste plus longue, on va pouvoir accueillir des plus gros avions et donc pouvoir vraiment jouer sur l'international. En attendant, ben, c'est chantier, c'est friche et c'est ce qui fait la magie de cette ville. Et alors que de temps en temps, il y a quand même des bâtiments qui sont assez sympas. Vous voyez, les travaux. Bon, là, on se redirige vers le Marsupilami. Et puis, bon, on continue notre route toujours dans le centre-ville de Charleroi. On va redescendre après vers la ville basse. Et puis, on va quitter un peu le centre pour aller vers l'extérieur. Voilà, on redescend cette artère qu'on a montée tout à l'heure, direction le boulevard Thiroux, qui est un peu les Champs-Élysées Carolo. Donc alors la particularité en fait du boulevard Thiroux, il a pas mal changé aussi avec le temps. Voilà, on y arrive. Et vous voyez, bah, tiens, justement, le fameux métro tram de Charleroi, bah, voilà à quoi ça ressemble. Donc il est tantôt à l'extérieur et tantôt en souterrain. Voilà, il est passé. La police, bonjour, c'est pas malin.
Donc nous sommes ici sur le boulevard Thiroux, du nom d'un ancien bourgmestre de Charleroi, années 40-50 par là, et la particularité c'est qu'en fait avant ici au boulevard Thiroux, eh ben, c'était la Sambre. On a déplacé la Sambre un petit peu plus loin, on est passé au-dessus hein, tout à l'heure, mais ça passait ici avant. Et donc vous voyez ici le magnifique bâtiment de la librairie Molière. J'avais dit qu'il y avait des beaux bâtiments à Charleroi, mais la librairie Molière c'est un exemple. Le centre commercial Rive Gauche qui est assez récent, et derrière la tour Albert qui est le gratte-ciel Carolo qui monte un peu plus de 80 mètres de haut. Voilà, par là. Allez, on va s'enfermer dans les méandres l'Irish Time Pub. Ah, c'est sympa, des chouettes soirées passées ici. On part dans les petites ruelles Carolo et puis on va aller faire un petit tour sur le ring, tiens. Le petit ring de Charleroi. Voilà, on est sur ce qu'on appelle en Belgique un ring. En France, c'est un périphérique, hein, donc. Et ici, c'est le petit ring de Charleroi, le R9. On est passé juste devant, je mets une cruise control, tiens, c'est l'occasion. On est passé devant le plus grand décathlon de Belgique, sur la droite et sur la gauche, avec le Bizumchou, hein, donc total autodérision Carolo. C'est le palais des expositions qui est en travaux, en rénovation, comme toute la ville. Alors, ce qui est assez cool en fait sur ce petit périphérique, il y a un grand périphérique, le R3, qui lui fait le tour de toute l'agglomération. Et ce qui est assez intéressant, et vous le voyez ici, c'est que sur la gauche, on a vraiment tout le centre-ville, donc très urbain, c'est la ville. Et puis sur la droite, eh ben, on a les usines, donc les friches industrielles. Et vous voyez tout devant moi un terri, donc qui est le terri des Hirscheuses, qui se situe à Marcinelle. On longe ici le rail du métro, bah, il y a une camionnette qui passe. Et on va passer ici, donc on vient de passer la Sambre, et juste ici en bas, bon, je sais pas si on verra bien, juste ici en bas, on a la gare de Charleroi, donc Charleroi Sud, voilà le centre-ville qui est là, et la gare de Charleroi qui est en travaux elle aussi. J'ai toujours connu en travaux d'ailleurs cette gare. Et là, bah, on va un petit peu sortir de la ville, on va aller un petit peu vers l'extérieur, les industries, et aussi les beaux quartiers. Alors, mais là, avant d'aller vers les belles maisons, tout ça, on va quand même passer par cette route un peu surréaliste, typique de chez nous. Donc c'est la chaussée de Mons qui traverse en fait toutes les friches industrielles. Vous voyez encore ici un petit terri qui fait partie d'ailleurs, je pense, de la boucle noire, qui est une randonnée à faire d'une vingtaine de kilomètres et qui vous fait parcourir justement dans toutes ces friches industrielles de la région Carolo. Donc la chaussée de Mons, ben, si vous avez l'occasion une fois de la faire, vous allez voir qu'on rentre dans un espèce de parc d'attractions. Entre des tuyaux qui vous passent au-dessus, des rails du métro qui passent par là, les anciennes usines, encore des usines actives. On est ici vraiment au cœur de l'industrie massive, l'industrie lourde qui a donc été active ici à Charleroi. Et c'est aussi le cœur, vous voyez, on repasse sur la Sambre, avec des péniches, tout ça, et on suit le métro, enfin le métro fait une petite course avec nous, mais je voulais dire, on rentre ici aussi dans un espèce de cœur artistique. Vous voyez ici sur la droite, toute une série de tags, des graffitis. On est vraiment dans du street art sur cette chaussée, et vous voyez le décor est juste, on a l'impression d'être, enfin moi chaque fois que je passe ici, j'ai l'impression que je suis dans un parc d'attractions tellement c'est surréaliste. Entre les anciennes usines, je veux pas dire les nouvelles usines, il n'y a pas des nouvelles, mais les usines qui fonctionnent encore à l'heure actuelle, la décoration sur les murs, les bâtiments, vous voyez, ici on a une centrale électrique, et on va passer devant une salle de concert qui est un petit peu plus loin. Alors je pense qu'on va bientôt arriver devant un fameux tag, le tag Charleroi, qui est assez connu. Bah voilà, il est juste là, le tag Charleroi. Je suis déjà venu faire une photo avec le VN ici, qui est assez connu ce tag. Et un petit peu plus loin, on a donc une salle de concert
qui est qui se situe dans une ancienne usine en fait, et ça a été reconverti en salle de concert très atypique. C'est juste ici, ça s'appelle le Rockrill. Je vous mets 2-3 photos d'ailleurs pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, le Rockrill, c'est juste ici. Et endroit super atypique, je vous invite à passer par ici vraiment. Et autre décor totalement différent, et c'est ce qui fait aussi la spécificité, la particularité de Charleroi. Vous voyez ici, on est dans les beaux quartiers, hein. Bon, il n'y a pas que ce quartier-ci. Ici, on est à Marcinet-Lublin-Bu. Il y a d'autres quartiers un peu plus huppés, mais un visage totalement différent de ce que vous avez vu avant. On n'est pas du tout dans de l'industrie ici, on est dans le calme, dans des rues qui s'appellent la rue des Pommiers, l'avenue des Tilleuls et ce genre de choses. Vraiment, ça fait la particularité de Charleroi. On a à peu près toutes les populations à Charleroi malgré les clichés. Et ici on se rend en fait vers un endroit qui s'appelle le Bois du Prince, mais qu'on connaît plus sous le nom du centre de délassement de Marcinelle. En fait c'est un centre d'activité où il y a un bois, hein, le Bois du Prince. Donc il y a un petit parcours vita, on peut aller faire des exercices, on peut aller se promener, etc. Et puis il y a des salles de conférence, enfin, des petites salles de conférence, et il y a Charleroi les Bains aussi. Et donc ça c'est intéressant, mais je vais revenir juste après puisqu'on va passer juste à côté. Voilà, le Bois du Prince, ben, c'est ce qu'il y a juste à côté de moi. Le centre de délassement, il est juste devant. Et on va vers Charleroi les Bains, qui se situe d'ailleurs juste à côté d'un club de tennis où chaque année il y a la streetball. Et la streetball, en fait, c'est un tournoi de tennis junior international qui est considéré comme le petit Roland-Garros. Toutes les plus grandes stars de tennis sont passées par là. On va passer juste à côté, sauf que je vois des barrières, donc je ne sais pas pourquoi il y a des barrières. Le centre de déplacement ici est à droite. Et qu'est-ce qu'on dit pour pas emmerder les gens qui sont à Charleroi-les-Bains, ils interdisent les moteurs, donc je ne peux pas y aller. Je pourrais même pas vous montrer ça à Charleroi-les-Bains. Bon, ben tant pis. Voilà, allez, ben, c'est l'occasion de reprendre d'autres rues qu'on n'a pas souvent l'occasion de prendre. Ici, je suis parti en freestyle, je ne sais pas où je vais. Enfin, je ne sais pas où je vais m'y retrouver. Voilà. Je me lève un petit peu parce que c'est freestyle et que je peux me le permettre sur le Vestrom. C'est bien, il n'y a personne dans la rue, donc c'est bien, il y a quelqu'un. Bon, il se foutra de ma gueule de dos. Cette vidéo est terminée, je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre d'autres vidéos un peu touristiques, des reportages. Le 17 juin, en fait, les 1 an de la chaîne, donc c'est l'occasion de faire un live spécial. Donc je vous invite à checker un peu sur Facebook, tout ça, je vais annoncer toutes les infos. Et puis, en attendant de se retrouver le 17 juin pour le live, be right safe à tout le monde. Salut, salut !